tout de suite, donc, direction Arras, dans le Pas-de-Calais, où ce matin, il y a eu une attaque au couteau. Un enseignant a été tué, deux autres personnes sont grièvement blessées. Cela s'est passé dans la cour du lycée Gambetta. L'assaillant était fiché S, il a été arrêté. Voici les premiers éléments dont nous disposons. Et attention, certaines images peuvent choquer. Henri Dreyfus, Marion Fiat et Gauthier Delobette. Cet homme, en haut à droite, vient de s'introduire au lycée Gambetta d'Arras. Il est 11h passé ce matin, il est menaçant et semble armé. Un membre du personnel éducatif tente de le dissuader de rentrer dans l'établissement. Un second homme, ici sur la passerelle, recule lui aussi. Il rentre dans le bac, là. Mais il y a des élèves, hein. 1600 élèves sont scolarisés dans le lycée. Ça se bat. Il y a une chaise, ils ont des couteaux. Il a un couteau, les gars, il a un couteau. Il y a le proviseur adjoint. De leur salle de classe, ces élèves filment le courage d'adultes qui tentent de s'interposer. Voici le premier qui essaie de repousser l'assaillant à l'aide d'une chaise. Il tombe alors à terre. Un second ramasse alors la chaise et tombe, lui aussi. Avant que l'assaillant ne le frappe à plusieurs reprises, nous avons décidé de ne pas vous montrer la suite de cette scène. L'assaillant a été interpellé, tout comme son frère, qui se trouvait également à proximité du lycée.